Il n'y a pas qu'avec l'équipe de France qu'il a un problème. Il a un problème avec le Paris Saint-Germain. Alors, il dit qu'il est heureux hein, à Madrid. Ça, il l'a d'ailleurs posté sur Instagram cette semaine, plusieurs fois. Voilà, happiness à la Madrid. À Paris, c'est plus dur. Conflit violent, Margot, avec son ancien club, le Paris Saint-Germain. Il y a un très gros litige hein, qui l'oppose au Paris Saint-Germain. On parle de 55 millions d'euros que réclame Kylian Mbappé à son ancien club. Rappel des faits d'abord. On est début de saison dernière, juillet 2023, Mbappé est mis à l'écart par le Paris Saint-Germain. Le club finit par annoncer fin août que c'est réglé, qu'un accord a été trouvé avec le joueur. Communiqué du PSG extrait choisi après les discussions très constructives et positives. Le joueur a été réintégré dans l'équipe première. Il aurait donc renoncé à un certain nombre de primes pour réintégrer l'équipe, mais l'accord aussi que lui et le club évoquaient, il était flou en fait. Exactement, puisque cet accord est oral ou en tout cas rien n'a été signé. Peut-être qu'ils ont fait un papier, mais rien n'est signé. Et dans les mois qui suivent, du coup, Mbappé décide eh bien, de ne plus s'y tenir, estimant avoir été maltraité notamment par son club. En clair, il réclame donc les 55 millions d'euros qui équivaut à des salaires impayés et également plusieurs primes. Cette semaine, la commission juridique de la LFP a prôné pour une médiation qui a été refusée par le joueur. Le PSG est donc contraint pour le moment de payer cette somme à Kylian Mbappé sous 8 jours. Sinon, le club s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à une interdiction de recrutement. Extrait là aussi du communiqué du Paris Saint-Germain dans la foulée. Le joueur a pris des engagements répétés qui doivent être respectés. Le club attend avec impatience que ces engagements soient confirmés. Et si le joueur cherche à poursuivre cette affaire inévitablement préjudiciable à sa réputation. Les prud'hommes devraient arbitrer au final cette affaire. Sauf si d'ici là il y a un accord, Paris qui évoque l'image d'Mbappé avec un petit ton menaçant hein, en évoquant sa réputation. C'est Mbappé qui n'a pas tenu ses engagements, c'est Paris qui est un peu léger en se contentant d'une tape dans la main alors qu'on est sur un business à 50 millions d'euros. Je trouve ça ubuesque cette situation entre un des plus grands clubs européens ou prétendu tel et un des meilleurs joueurs du monde ou prétendu tel. Enfin, il y a un truc qui est assez sympa en France, peut-être que les dirigeants parisiens ne savent pas, qui s'appelle le droit du travail. Mmh. Et puis après, vous avez des contrats qui sont en général écrits, c'est quand même mieux que de si. Je t'avais dit en fait, bah ouais, mais moi je dis que si vous ne l'avez pas dit, on fait comment? Donc en fait, soit c'est écrit que Mbappé renonce à ses primes, etc. Et bon, bah, dans ces cas-là, qu'il renonce. Soit le PSG va devoir casquer et ce sera normal. Alors après, on peut juger immoral que Mbappé, avec tout l'argent qu'il a, mais bon, à un moment donné, c'est un salarié ou c'est un ancien salarié du Paris Saint-Germain et dans ce cas-là, il mérite ce pourquoi il a signé. Voilà, c'est un jugement de moralité sur la valeur qu'a un accord oral en fait entre le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est en gros, c'est le président Nasser qui a discuté avec le joueur. Ils se sont dit des choses, ça c'est sûr. Mais après, en termes de valeur juridique... Manifestement, ils n'ont pas compris la même chose. Il y en a un qui a changé d'avis. Et c'est possible aussi qu'il ait changé d'avis. En l'occurrence, je pense que... Parce qu'il a estimé qu'il était maltraité, peut-être. Ouais, ou je pense qu'il est entouré. Il a une avocate qui est, a priori, très forte et qui a dû lui dire que tant que ce n'est pas signé, de toute façon, il a très bien dit, il y a un droit du travail. Après, tout le monde a le droit de juger quand tu donnes ton accord. Si tu ne le respectes pas après, tu as le droit de dire que tu n'es pas fan de cette... C'est dommage que ça se termine comme ça. En fait. On a tous été confrontés à ça. Un truc signé, une promesse faite, pas faite, pour un appartement. Mais au final, en termes d'image, c'est pas... Mais bon, là, c'est 55 millions d'euros quand même. En termes d'image, aujourd'hui, c'est presque perdant-perdant. C'est une grosse promesse. C'est quand même étonnant pour un club comme le PSG, quoi. C'est étonnant. On parle quand même d'énormes sommes. Laure a raison, 55 millions d'euros. On fait à minima un papier quand même et on le signe, quoi. Je sais pas si c'est beaucoup pour eux. Enfin, quand même. Bah si, pour le fair play, tout ça, pour lui. Ça compte. Ouais, c'est quand même pour Paris, mais ça reste une somme. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que le PSG profite de sa cote de popularité qui est basse en ce moment pour faire passer des choses qui sans doute auraient été inaudibles quand il était au sommet de sa gloire. Moi, je voudrais pas que Mbappé... De la cote de popularité qui est basse de Mbappé. Ouais. Bien sûr. Je voudrais pas que Mbappé, parce qu'il est moins bon en ce moment et que globalement, il agace tout le monde sur d'autres sujets, là, on lui intime de dire « je renonce à mon argent », qui est peut-être le sien. Mais si le PSG, il va quand même, On essaye de lui donner le mauvais rôle, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais c'est s'ils y vont, ça veut dire qu'ils estiment quand même avoir des arguments. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai hâte, alors... Contrat, ça vous est arrivé, Mika, dans le foot, d'avoir un accord un peu oral comme ça, de vous te sentir engagé par une parole donnée?
Ça n'a jamais monté à ces niveaux de... Non, mais même... Mais j'ai pas de souvenirs, en fait. Non. J'ai vraiment pas de souvenirs à vous partager. D'accord. Ça veut dire que ça l'arrange, ça. Je pense qu'il faut creuser. Non, franchement, à chaque fois que je me suis mis d'accord, je me suis mis d'accord. Et on signe et on part, ou on se sépare. Mais si, mais des fois, t'as une négo comme ça, t'as une manière informelle de négocier ton contrat, tu dis des trucs, je compare pas Mbappé, mais ça m'est déjà arrivé, et derrière, tu reçois la proposition, et c'est pas tout à fait ce que tu as entendu. Ça arrive, et derrière, t'es sur un litige. Kylian Mbappé, qui fera ses débuts en Ligue des Champions sous le maillot du Real, mardi soir, ce sera contre Stuttgart à Bernabeu. Regardez ce ramasseur de balles venu lui demander son maillot sur le banc. Il a beaucoup de culot. Eh bien, ça a marché. Il va être tout content puisqu'il va recevoir ce beau cadeau, ce maillot de la part de Kylian Mbappé. Et il est trop fier. Il repart avec son maillot, avec sa chaise, faut pas l'oublier quand même. Très beau geste de Kylian Mbappé qui sait en tout cas se faire aimer en Espagne. On est sur une grosse opération séduction. On avait vu ce genre de scène quand il était arrivé à Paris au départ. Avec Neymar. Enfin, moi... On se plaint, opération sélection, mais il n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est une belle image. Mais il est à l'extérieur, c'est un ramasseur de balles qui le fait. Ce n'est pas organisé. Non, mais Mickaël, là-dessus, oui. Moi, je dis ça. Mais sur les célébrations avec Vinicius, etc., bon, ça, on verra. On a vu les mêmes avec Neymar. Même, à la limite, peu importe, profitons juste de ça. Et on réclame toujours des footballeurs. Moi, qu'on l'attaque sur... j'ai envie de profiter juste d'un moment comme ça. Ce qu'il trouve, en fait, peut-être, oui. Non, mais sur le ramasseur de balles, c'est très bien. Mais disons que ce qui est... Et moi, je l'ai défendu tout à l'heure, Kylian Mbappé, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je dis simplement que par rapport à ce à quoi on a assisté il y a 10 jours de ça avec l'équipe de France, c'est-à-dire que c'est le même humain. C'est-à-dire que quand il prend un avion qui traverse les Pyrénées, a priori, c'est la même personne. Et donc là, on a vu, il va en conférence de presse, on a l'impression que c'était la pire chose qui pouvait lui arriver sur Terre. Il a le brassard de l'équipe de France, je crois qu'il avait plutôt envie de l'avoir, on ne l'a pas forcé à le porter. Il l'a et il fait un bras d'honneur un peu à tout le monde en disant « je ne veux pas être là », à ses partenaires d'abord, qui pour certains lui ont dit, sans le citer, Maignan notamment, qu'il fallait que ça s'arrête, ceux qui viennent au stade, ceux qui le regardent. Et après, il arrive à Madrid, il est là, on a l'impression que c'est le plus heureux du monde. Donc moi, que fais-tu en fait? Je n'arrive pas à le cerner. À ses débuts au PSG, où c'était pareil, il était bien souriant, sûr. Il était pote avec tout le monde. C'est quand même une petite opération séduction. C'est la dichotomie qui est un petit peu troublante. Je suis d'accord avec ce que dit Bertrand sur l'aspect équipe de France. Pour moi, il y a un problème de lead. Pour moi, on ne peut pas s'identifier à un capitaine de l'équipe de France qu'à ce comportement-là. Mais c'était juste en lien avec ces images-là. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur la pelouse de la Real Sociedad avec un Kylian Mbappé qui a été élu homme du match. Cela a été bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va également parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si sur le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos que vous arrivez sur la chaîne. Si c'est qu'on est parti. Alors, le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur la pelouse de la Real Sociedad et Kylian Mbappé a été élu homme du match. Déjà, ce n'est jamais évident d'aller s'imposer sur la pelouse de la Real Sociedad. Le Real a fait, certes, de manière poussive, mais ils l'ont quand même fait. Ils l'ont quand même fait avec deux pénaltys, un pénalty tiré par Vinicius et ensuite l'autre tiré par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je le trouve beaucoup plus affûté. On a vu qu'il essaie de faire des différences. J'ai retrouvé un tout petit peu un Kylian qui essayait de percuter, chose qui ne faisait plus. Ça montre à quel point ce garçon est en train de travailler. Il est en train de travailler puisque en France, on est en train de le détruire. On le détruit. Bref, un Real Madrid qui a fait sans Tchouaméni, sans beaucoup de joueurs, notamment Bellingham qui est blessé. Kalan Chouji est obligé de partir sur le milieu. Luka Modric, Valverde, Gulle, Adam Gulle. Et surtout, Rodrigo est sorti du 11. Brahim Diaz a pris la place de Rodrigo. Un Real Madrid qui a souffert en première période, hein. Le Real trouvé la faille en seconde période sur penalty. Le Real débute le match de penalty à la 58e minute par Vinicius et à la 75e minute, le Real marque son deuxième penalty par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé
Vinicius laisse le penalty à Kylian Mbappé. Kylian marque son quatrième but. Quatrième but avec le Real Madrid. Bref, une équipe du Real qui n'est pas décrochée du Barça. Le Real n'est pas décroché du Barça. C'est seulement 4 points. Et 4 points, c'est rien. Sachant que le Real n'a pas encore joué les classiques contre le Barça. Bref, il y a vraiment... Il y a encore la course. Pour moi, rien n'est joué. Rien n'est absolument joué. Kylian Mbappé, il est très critiqué en France. Très, très critiqué. On lui reproche d'avoir joué un sale tour au PSG. Pour moi, les amis, moi, je pense que c'est le PSG qui a vraiment fait du n'importe quoi. Un contrat, ça c'est signe. Un contrat, ça c'est signe. Le PSG estime que Kylian Mbappé a donné sa parole. Mais la parole, ce n'est pas l'écrit. La parole, c'est la parole. Les écrits, ce sont les écrits. Et lorsque tu pars dans un tribunal, on ne regarde pas trop la parole. Ce qui importe les jurys, c'est le contrat, ce sont les écrits. Donc, est-ce que le PSG a été naïf? Oui, puisque, à mon avis, ils auraient pu exiger un contrat. D'autant plus que Kylian Mbappé était dans le loft. Kylian était dans le loft. C'était le moment où jamais d'exiger un contrat. Pour ceux qui disent que le PSG a bien fait, non, le PSG a mal fait. Le PSG devait exiger un contrat. La parole de l'homme change à tout moment. Hein. La parole de l'homme change à tout moment. Un homme peut te promettre un truc, peut-être aujourd'hui. Une semaine plus tard, il change d'avis. Une semaine plus tard, il change d'avis. La parole de l'homme, ça change très vite. Après, Kylian Mbappé, est-ce qu'il a mal fait? Pour moi, il a mal fait. Du moment où tu donnes ta parole, tu devais au moins respecter ta parole. Le PSG t'a fait connaître presque au grand public. C'est à toi. C'est à toi de dire, voilà, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Kylian Mbappé devait laisser les primes au PSG, il ne le fait pas. Après, c'est la faute du PSG. C'est la faute du PSG qui a tout donné à Kylian Mbappé. Lorsque vous donnez tout à une personne, généralement, vous finissez par être trahi. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.